Bon, salut à tous, on se retrouve au bord de la gravière. Donc, comme vous pouvez le voir autour de moi, bah, c'est bien gelé ce matin. Il y avait moins 4 quand je suis parti, là il y a encore moins 3, le soleil se lève seulement. Donc il est quasiment 9h, j'ai pas pu venir avant tout simplement parce que j'avais la petite à m'occuper et puis bah, il y a des priorités dans la vie et ça en est une. Donc là je vais m'installer sur le bord de la gravière, je filme avec le téléphone, je ne sais pas ce que ça va donner, c'est un test. Et puis bah voilà, je vais vous faire voir au fur et à mesure de la journée ce qui se passe. Et j'espère réussir à faire un poisson. Alors pour le moment, ça caille bien. Espérons que le soleil se lève et que ça réchauffe un peu. Allez, je vous fais voir tout ça. Bon voilà, j'ai fini de tout tendre. Donc bah, une pêche très précise aujourd'hui. J'ai pas fait de gros amorçages ou quoi que ce soit. Hein. Je pêche au stick sur toutes mes cannes. Et par contre, j'ai vraiment choisi précisément le spot où j'ai déposé. Donc ça va de la Baie de Cassure à une zone très propre près de Cochonnerie. Enfin voilà, c'est vraiment très ciblé. Donc on va voir ce que ça va donner. Là ça caille encore bien, il y a un petit vent. Par contre le soleil s'est levé, donc j'espère que ça va réchauffer un peu. Ça caille quand même pas mal quoi. Alors, petite surprise sur le poste, l'eau est quand même haute, bizarrement, parce que pourtant il n'a pas eu beaucoup de pluie, etc. Mais bon, l'eau est quand même haute. Et comme je pêche comme sur une espèce de petite plage, bah pour mettre à l'eau le bateau, c'est un peu la galère parce que ça descend en pente très 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 douce et j'ai pas de bottes, j'ai pas de waders. Donc c'est un peu chiant pour mettre le bateau à l'eau. Donc bon, j'arrive à me démerder, mais c'est vrai que ça raccroche pas mal le fond. Donc on va voir ma foi. Bon voilà, il n'est pas tout à fait midi. Et je viens de faire un joli départ. Miroir de 8,3 kg. Faites à la bouillette carnée, amorçage bouillette concassée et quelques billes comme ça. Ah, ça fait plaisir. Mais putain, ça caille, hein. Oh la vache, j'ai froid les pattes là. Super fiche. Ça fait plaisir. Bon, voilà, deuxième départ, deuxième poisson. Miroir plus petite de 5,4 kg. Cette fois-ci faite avec la bille équilibrée. Hop là. Un petit stick de pelé poisson. Et voilà quoi. Joli petit combat. Elle s'est tankée dans une grosse souffle de merde. Ça a été assez sport pour la sortir. Mais elle est là. Ça fait plaisir. Voilà. Troisième départ, il est 14h, donc bille carnée, ça fait plaisir. Poisson de 6,9. Par contre, j'ai remis le bonnet parce que là, je vous jure que ça pèle. Allez, je vais la remettre à l'eau. Bon, voilà, il est 5h moins 10, je viens de tout replier. Donc là je suis frigorifié. Il fait zéro, je vais vous dire ça tout de suite. Il fait moins 1. Donc une journée vraiment glaciale. On est monté à 1 degré maxi, donc franchement je suis gelé. En plus le petit vent dans la gueule, ça a été vraiment compliqué. Mais voilà, en se décarcassant un peu, bah, j'ai réussi quand même à trouver un spot, enfin deux spots où il y avait des poissons d'activité. Donc ça c'est cool, franchement ça fait plaisir. La preuve que en cherchant un peu, on trouve des poissons encore actifs même quand il fait froid. Il faut savoir où les chercher par contre. L'avantage de connaître les plans d'eau, c'est aussi ça. C'est qu'en période froide, ben, on arrive quand même à dérouler malgré tout. Donc voilà, je suis content. Trois poissons. Pas des poissons énormes, encore une fois. Les gros poissons, je ne sais pas où elles se cachent, mais ça fait un moment que je ne les ai pas vus. Mais bon, c'est pas grave. Chaque poisson fait de ce temps-là, c'est une petite victoire, mine de rien. Et puis là, je vais me rentrer et je vais aller me mettre au chaud parce que j'ai froid. Allez, ma foi, je vous dis à bientôt. Salut!